Bonjour tout le monde, merci de vous être réveillé tôt malgré la fête qui a duré tard. Ce matin, on va accueillir quelqu'un qui est célèbre pour son 49-3, mais qui n'a pas choisi de devenir maire de Barcelone parce que lui, le 49-3 lui a fait a été un réel succès. Il nous manque quelques personnes dans notre film sur la puissance de la France et notamment le fait qu'on est un pays reconnu pour ses marins et ses marins qui naviguent en solitaire. Et la personne qu'on va accueillir donc, a fait le tour du monde en 49 jours et 3 heures. Alors, il me racontait tout à l'heure que c'est l'une des fois où il a fait effectivement, il a partagé la une du canard enchaîné avec Manuel Valls parce qu'ils ont vécu le 49-3 exactement en même temps. Voilà. Donc je vous propose d'accueillir Thomas Coville qui va nous raconter comment il est devenu le détenteur du Tour du Monde à la voile, en solitaire. Ah oui, avant qu'on commence avec Thomas, on va juste vous montrer la vidéo de toute l'histoire de Thomas et de l'évolution de ses bateaux à travers les quelques années qui viennent de passer. Pas mal. Hein. Quand on regarde tout ça, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que les bateaux ont vachement évolué, le marin a dû évoluer. Alors en quelques mots, c'est quoi la vie de Thomas Coville depuis ça fait quoi, 20 ans Ça fait 18 ans que je suis avec Sodebo. 18 ans que je suis avec cette famille qui aura changé ma vie. 18 ans que j'ai fait cette rencontre incroyable. Avant, j'ai un parcours un peu
particulier puisque je cherche pas d'ailleurs du tout à être forcément le skipper d'un bateau. Je navigue plutôt avec des gens charismatiques comme Olivier de Kersauzon. Ça peut être forcément le tour du monde. C'était le premier tour du monde, mais ça peut être forcément le plus marrant. Puis j'ai été faire la Coupe Américaine avec Marc Pajot. Et puis après, je rencontre effectivement quelqu'un qui m'a transformé, qui a été Laurent Bourgnon. Donc à chaque fois, c'est des rencontres très différentes. Mais oui, quand on regarde ce film, c'est de se rendre compte que ça va très très vite, qu'on vit un moment... Moi, je suis époustouflé de l'époque qu'on est en train de vivre, qui est exceptionnelle, qui est forcément pas facile à comprendre, qui est forcément pas facile à analyser tous les jours, mais nous, en tous les cas, on est un sport extrêmement sociétal, puisqu'on est un mix entre la technologie, que cette technologie, après, elle va dans un monde extrêmement brutal et d'essence, qui n'a besoin de rien, qui est la mer et l'océan. Et notre terrain de jeu, depuis 18 ans, il a changé de l'Atlantique à la planète complète, donc finalement comme la mondialisation. Et puis là, le mental. Parce que vous l'avez vu, je suis sans doute l'athlète ou le marin qui a le plus échoué. Je suis pas du tout un winner, machin. J'ai effectivement beaucoup raté. Et quand vous allez sur l'eau, vous êtes obligé d'être dans cette humilité de savoir que vous tomberez beaucoup, vous ferez très mal, vous vous exposez beaucoup. On parlait de ça. Hein. Ça peut aller jusqu'à l'engagement total, parce que quand vous faites le Vendée Globe ou quand vous partez en multi, en solo, en multi, enfin pour battre 49 jours 3 heures. Moi, j'ai mis 5 fois à réussir 49 jours 3 heures. Donc pendant 4 fois. Je suis revenu au bout de 4 fois, soit avec des temps intermédiaires, soit en finissant pas. Le premier tour du monde, je m'arrête à Cape Town parce que j'ai touché un iceberg. Vous êtes sous l'Afrique du Sud, vous touchez un iceberg. Et là, j'ai mis 23 jours à rentrer à Cape Town pour sauver ma peau, quoi. Donc l'engagement, il est total. Et il doit être, effectivement, que pour gagner ou pour aller jusqu'au bout de ça, parce que il faut être capable d'engager tout. Et là, vous engagez vraiment tout. Vous êtes à poil. Et c'est ça que ça me fait penser, là, quand je regarde. Je pense que je suis resté un peu trop longtemps dans cette culture peut-être un peu française, peut-être un peu judéo-chrétienne aussi, de croire que, et de l'éducation que j'avais reçue, de croire que finalement toutes les solutions et tout ce qui allait tout allait venir de moi, ce gnotiséoton, ce connais-toi toi-même grec. Moi, j'ai entendu mon père toute ma jeunesse me dire connais-toi toi-même, et il me lisait soit en grec, soit en latin l'Odyssée d'Homère. Donc, mais ça vous a jamais arrivé, hein, d'avoir ces parents juste un petit peu oppressants qui vous mettent cette pression du connais-toi toi-même. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mon obsession à moi, c'est vis-à-vis de mes enfants, c'est de transmettre quelque chose sans reproduire. Or, moi, je me suis aperçu à 26 ans, après avoir fait une école d'ingénieur, que j'avais fait une école d'ingénieur pour faire plaisir à mon père et que j'avais reproduit. En fait, hein, j'avais essayé de reproduire. Mais ça t'a énormément servi de faire cette école d'ingénieur, puisque tu as quand même vendu ton bicorne et ton sabre pour te payer ton premier bateau. Ouais, c'est à peu près ça. Mais si finalement j'avais mis cet argent-là directement dans le premier bateau, j'aurais peut-être commencé plus tôt. Mais il ne faut pas refaire l'histoire. Ça m'a forcément aidé un peu. Par les rencontres que j'ai faites, je veux dire par là que le gnotiséoton n'était pas suffisant, et c'est effectivement, on le voit dans le film, à l'arrivée de je prends un cargo à la route du Rhum, au départ de la route du Rhum, je suis en tête devant Loïc Perron, avec un petit peu d'avance déjà, et je prends un cargo large ouessant de nuit, dans 35 nœuds, 4 mètres ou 5 mètres de creux, et je percute un cargo, qui change de route parce qu'il ne comprend pas qu'il y a un engin qui avance à 35 nœuds, et il ne comprend pas ce que c'est. Il croit que c'est un aéronef. Il croit que c'est un avion. Bon, je n'ai rien contre les Coréens, mais là, à ce moment-là, le Coréen est... Juste, monsieur qui va à 35 nœuds me dit, depuis que je suis né, je suis très lent. Ah.
Non, mais c'est vrai, j'ai, pour le coup, j'étais un petit garçon lent, j'ai grandi très tard. Je pense que d'ailleurs, c'est beaucoup de ce que je suis aujourd'hui en tant qu'athlète vient de cette résilience. On en parlait à l'instant, d'avoir eu ce coup de foudre avec la mer qui était finalement un endroit où je n'étais pas jugé, je n'étais pas josé. Et finalement, sur l'eau, c'est pas forcément. C'est assez. Enfin, c'est physique, mais c'est assez peu physique. C'est plus la capacité que vous allez avoir à récupérer, après le niveau de concentration que vous allez être capable de mettre et l'engagement que vous allez y mettre. C'est ça, finalement, les forces du marin. Et. Je t'ai coupé, donc tu prends ton cargo. Voilà, et là j'ai cette rencontre. Donc je suis finalement le témoin d'une rencontre avec une famille incroyable, qui est la famille Bougreau, la famille qui a créé cette entreprise Sodebo, qui aurait pu être dans le film, dans l'agroalimentaire et tout. Et moi j'ai la particularité, c'est que je suis pas coaché, mais j'ai, à la tête de cette entreprise, c'est trois femmes. Trois sœurs. C'est pas anodin. Et à l'arrivée de ce crash, une de ces sœurs, Patricia Brochard, a le courage incroyable de venir me voir en disant ben écoute, ça fait 12 ans déjà qu'on est avec toi. On va continuer à t'accompagner à seule condition, c'est que tu acceptes de te faire aider par l'extérieur. Et là, j'ouvre une porte mentale qui fera que 2 ans après, je bosse encore autour du monde. Mais c'est la porte qu'elle m'ouvre à ce moment-là de me dire, et là je travaillerai donc du coup pendant un an avec, donc je vais la voir 6 fois, c'était le deal, hein, avec une néo-zélandaise, une méthode assez anglo-saxonne, un peu tonique, mais bon, qui m'a fait sortir un peu de mes gonds et qui notamment sur des sujets comme, mais que forcément vous n'avez jamais rencontré dans votre monde, savoir à quoi vous sert la culpabilité, mais ça c'est des questions que vous n'êtes jamais posées évidemment. Puisque vous n'avez jamais rencontré de culpabilité dans votre monde, savoir effectivement comment je pouvais effectivement valoriser les échecs que j'avais rencontrés et cette rencontre et ce courage de cette femme, de Patricia Brochard, de me proposer ça à ce moment-là, le matin de l'arrivée, il est, je pense, c'est la naissance du moment où, quand vous êtes athlète, entre celui qui échoue, qui tente, qui essaye, et celui qui performe un jour, il y a le basculement. Et ce petit détail-là, c'est cette rencontre-là, et c'est cette main tendue-là qu'il faut savoir reconnaître et choper. Merci. C'est intéressant parce que pour nous, quelqu'un qui navigue sur ces engins-là, c'est. Alors, ça a très longtemps. C'était pas ces engins-là, mais avant un marin, c'était quelqu'un qui picolait, qui avait une bonne bande de copains et qui était tête brûlée. Aujourd'hui, c'est un ingénieur qui mange que des fruits, qui fait du sport comme un fou et qui a un coach mental. Qu'est-ce qui a changé en fait dans tout ça? C'est l'ensemble qui fait qu'on ne peut plus être, on ne peut plus être juste bon. Il faut être absolument excellent. Non, c'est là on vient de voir quelques images du nouveau bateau. C'est plus que le monde pour moi. Hein, et à l'arrivée de ce tour du monde-là, en fait, Sodebo me propose la chance exceptionnelle, une fois de plus, de construire un nouveau bateau. Et c'est de comprendre que le monde est tellement complexe. Il y a tellement. Avant, en fait, finalement, c'était assez séquentiel. Vous parlez souvent de ces histoires de silos et tout ça, mais moi, je suis un sport sociétal où j'ai mis ça en œuvre. Parce que souvent, c'est des débats, c'est des conversations, c'est des trucs de salon ou des intervenants et tout. Sauf que moi, j'ai construit un bateau de 32 mètres sur 23 mètres de large, sur 35 mètres, et hier. Jusqu'à tard hier soir, j'ai volé avec. Donc moi, je suis passé à l'acte. Et à l'arrivée de ce tour du monde, j'ai dit, je veux bien repartir sur l'idée de faire un nouveau bateau, mais le monde est trop compliqué. Il est trop pour qu'on continue à rester dans ce modèle qui était effectivement soit là Olivier de Kersauzon, c'est-à-dire un management très directif, voire là, pour le coup, pour Olivier, c'est plus que directif. Ça peut être presque bête quand il est bête. Et il peut l'être. Mais c'est effectivement ce monde collaboratif dont on entend beaucoup parler. Et pour moi, la nouvelle génération qui arrive est absolument géniale à ce niveau-là. Les ingés que j'ai aujourd'hui, ils ont cette qualité que moi, je
prenais comme étant un défaut. Si au bout de, pas 20 minutes, ni 2 heures, ni 2 jours, mais au bout de 2 semaines ou 2 mois, s'ils n'ont pas trouvé une solution, ils vont mettre leur programme ou leur problème en ligne, en open source. Et ce que moi j'appelais, ce que j'avais reçu de mes parents, le manque de l'effort, le fait de ne pas être pugnace, le fait de ne pas vouloir trouver la solution de par soi-même, encore le Gnotis et Auton, eh ben, ils vont retrouver la solution qui va venir de Shanghai, d'Israël, de Moscou ou peut-être de Los Angeles. Et quand je leur dis, mais du coup, la propriété, elle est à qui? Et ils me disent, mais on s'en fout, la propriété. Nous, on veut que ça marche. Et toi, tu me mets la pression parce que le bateau, il faut qu'il soit mis à l'avant. Mais si je veux être dans les temps, je suis obligé de faire ça. Et cet esprit collaboratif qu'on a fait pour faire ce nouveau bateau, j'ai dit, ben, je ne veux pas un seul architecte. Je ne veux plus de quelqu'un qui est le seul sachant, qui est en hydrodynamique, en aérodynamisme, en calcul de structure, en sache tout de tout. Herbert Forcarayan, il était génial, sauf qu'il a imposé sa vision de la cinquième de Beethoven à tous ces mecs. Or, chaque musicien est génial. Et là, on a créé un projet assez fantastique. J'ai été chercher 8 personnes, un Autrichien, un Néo-Zélandais, des Anglais, quelques Français, et on a créé à 8. Je les ai enfermés pendant 2 ans et demi dans un bocal, j'ai appelé ça le bocal, et on a construit un nouveau bateau là, qui va voler, et qui va avoir la capacité, en fait, jusqu'à présent, le Vendée Globe, si vous en avez entendu parler un petit peu, c'est un des bateaux qui se font toujours rattraper par les phénomènes météo, on en parlait ce matin. Le tour du monde que j'ai fait en 49 jours, 3 heures, c'était la première fois qu'un bateau en solitaire était capable d'aller aussi vite que le vent dans l'océan Pacifique ou l'océan Indien et l'océan Pacifique, et de rester avec la vitesse du vent pendant tout un phénomène. Et là, notre nouveau bateau, il est tellement révolutionnaire qu'on va être capable de rattraper la dépression d'avant, c'est-à-dire qu'on va aller plus vite que le temps qu'il fait. Non mais vous imaginez la mutation. Et on a été les premiers à passer sous 50 jours, et là, on va passer sous 40 jours. Juste parce qu'on a pensé différemment, on s'est obligé à effectivement... Parce que partir d'une feuille blanche, si vous la faites tout seul, ce sera votre éducation, ce sera votre histoire, vous allez faire vous allez progresser. Ça va être empirique, mais vous allez progresser, mais ça va être trop... Enfin, entre guillemets, encore une fois, trop lent. C'est pour ça que je dis que je suis lent. Alors qu'à plusieurs, là, à 8, on a fait un bateau. Et si vous regardez l'image, le cockpit, on l'a mis devant le mât. C'est juste là, en ce moment, dans le monde architectural ou dans le monde de l'aérodynamique, l'hydrodynamique, dans le monde entier, les gens regardent ce bateau-là en se disant « Waouh !» Et ce n'est pas du bullshit. Hein, hier, on a volé. Il y avait 18 nœuds de vent, on allait à 40 nœuds, ça ne vous dit pas que c'est des chiffres, mais on allait plus de 2 fois plus vite que le vent avec notre bateau. On peut revoir l'image du bateau. C'est pas facile, forcément. Ça nous fait rêver, et 2, on comprend mieux. C'est juste dans cette... voilà, on voit le cockpit qui est à l'avant, et en fait, on a été chercher l'aérodynamisme de ce bateau qui, effectivement, aujourd'hui, est capable de voler et qui... on a fait un bond en avant. Alors, je n'ai pas la prétention de dire on a raison ou on a tort. Je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas encore. Par contre, ce que je trouve hyper grisant et qui revient à ce que je te dis, je pense qu'on est dans un monde absolument... C'est unique, c'est exceptionnel l'époque qu'on est en train de vivre. Alors, je sais, ça bouscule des gens, ça met... et il va falloir essayer de trouver un moyen pour que... Tout le monde puisse se rendre compte de ça pour qu'on le vive ensemble. Et c'est le vivre ensemble qui va être sans doute compliqué parfois. Mais pour autant, je suis non seulement hyper enthousiaste, mais quand je vis l'émotion que j'ai 51 ans. Et hier, je ne pensais pas que j'allais avoir cette émotion de me sentir que j'allais réapprendre quasiment tout ce que j'avais pu apprendre empiriquement de 25 ans, 30 ans de navigation, et que l'émotion, elle était quasiment le petit garçon qui est monté à l'âge de 14 ans sur ce bateau. Et j'ai retrouvé ça à ce moment-là, en me boostant. Et cette émotion, elle est exceptionnelle. Et elle est due à cette époque exceptionnelle.
Alors peut-être, parce que tout le monde ne connaît pas ce genre de bateau, tu m'expliquais, ces bateaux, maintenant, ils touchent plus l'eau, c'est-à-dire de 70 à 130 degrés du vent, donc, et puis ça, c'est d'un côté, mais voilà, ça ne touche plus l'eau, donc c'est des avions? Non, ce n'est pas un avion parce qu'on est encore on touche, enfin le foil est encore dans l'eau, mais on est entre l'eau et l'air. Ouais. On est dans cet équilibre absolument instable qui quelquefois est dangereux, hein, parce que si ça se crache et puis ben, tu chavires et peut-être tu es mort. Mais tu es effectivement en train de tu es dans l'équilibre absolument sublime avec la nature, ce que les Anglo-Saxons appellent more than nature. Et moi, j'ai cette chance-là. Je fais un sport mécanique qui, en plus, comme je disais tout à l'heure, et entouré d'un élément qui, en plus, c'est le juge arbitre, c'est lui qui décide si c'est équilibré ou pas équilibré. Donc, je m'appuie sur les voiles, avec les voiles sur l'air et avec le foil dans l'eau, et je cherche le meilleur équilibre à trouver. C'est entre Icare et d'être encore, quand même, un peu, effectivement, en contact avec l'eau. Donc, c'est plus que. Et souvent, on le lit dans les revues ou dans les magazines en nous disant que 80% de ce qui va arriver n'existe pas encore. Mais moi, j'en suis un exemple ou quelque chose de concret, parce que ça fait 32 mètres de long sur 23 mètres de large, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Et c'est venu d'une démarche collaborative, c'est venu d'une démarche sociétale du moment qui fait que ça marche aussi. Et c'est toute cette démarche qui finalement. Et j'en reviens à ces trois sœurs parce que je suis le produit, et j'assume très bien d'être finalement un Fab Lab pour ces trois femmes. Et pourquoi là, à quoi ça. Donc Sodebo, pourquoi? C'est leur amour de la mer, Pas c'est. du tout. Alors ils naviguent pas du tout. Et c'est pas du tout. Ils viennent assez rarement sur le bateau. Les trois filles, elles aiment pas trop être mouillées. Elles ont vite froid. Elle regarde le bateau en se disant, il est complètement cinglé. Non, non, c'est pas du tout entre guillemets, c'est plus ce que ça génère, ce qu'on arrive à créer, ce qu'on arrive à construire. Finalement, ça vient des conversations que je peux avoir avec elles, qui font de leur entreprise et qui font qu'aujourd'hui elles mènent leur entreprise comme ça, d'un point de vue humain, d'un point de vue technique, d'un point de vue innovation et tout ça, et où dans nos conversations. Elle m'incite et elle me pousse à mettre en application leur raisonnement, leur manière ou nos conversations, et puis d'aller jusqu'au bout de la démarche pour voir jusqu'où ça va. Et c'est assez fabuleux de rencontrer des gens qui ont cette audace-là, qui ont cette capacité à se dire on va faire un projet de sponsoring qui effectivement est un projet d'image, un projet de notoriété. Ils sont passés de 0 à quasiment 75% de notoriété en 15 ans. Mais c'est surtout une émulation incroyable, que ce soit en interne, mais aussi entre nous. Et d'être le cobaye ou d'être le Fab Lab de ces trois sœurs, c'est juste une chance incroyable. C'est la chance sûrement de ma vie. Je me rends compte de la chance que j'ai eue de rencontrer d'abord les parents fondateurs et puis d'être passé effectivement dans cette génération où là, eux, ils ont réussi cette manière de dire de transmettre sans reproduire. La famille, là, ils ont fait un truc hors norme d'arriver à transmettre une entreprise familiale qui est 100% indépendante, donc libre, donc ayant cette capacité d'avoir cette audace. Et je suis le produit de cette audace. Alors ça, c'est assez intéressant parce que donc vous êtes tous attachés à des marques ou le fait d'être attaché à une marque famille, ça te rend plus serein. Est-ce que toi, tu sens que tu as du temps long par rapport à un temps court? Exactement. C'est le secret d'une famille ou le secret d'une entreprise familiale ou c'est que une famille, elle est même, c'est son cadre d'évolution. C'est le temps. Et donc, elle a cette notion du temps. Et cette indépendance, cette liberté, c'est ça qu'ils m'ont offert. Et ils sont allés me chercher tout petit grand, et puis ils m'ont fait grandir, grandir. Et ce bateau, bah, vous l'avez vu, la taille, il a grandi avec la taille de l'entreprise. Quand je les ai rencontrés, ils étaient 600, aujourd'hui, ils sont 2500. Et effectivement, c'est, je pense, le cadre de ces entreprises familiales. Je suis breton, mais je dois avouer que le vivier des entreprises vendéennes en particulier est d'une richesse hors norme.
Donc c'est pas que un parcours d'athlète, c'est aussi un parcours d'une rencontre avec une entreprise particulière qui a des valeurs particulières, enfin fondatrices qui sont très posées, très, le cadre est très clair par rapport à eux, par rapport à moi. Et pour être très honnête, on a environ 2,5 fois, voire quelquefois 4 fois moins de moyens que d'autres armateurs ou d'autres projets liés plutôt à des banquiers ou des assureurs, sans les citer, mais qui sont populaires sans raison, et peu importe. Et c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question de alors que c'est des projets effectivement techno et techniques. Notre projet, c'est avant tout effectivement un projet qui émane de discussions, d'audace humaine, et qui va après, par contre, j'insiste là-dessus, qui au bout du compte fait quelque chose. Parce que ça me saoule un peu, moi, à cette époque où il y a beaucoup de donneurs de leçons. J'en suis pas un aujourd'hui, je suis juste un témoin là. Parce qu'il faut que les choses soient alignées entre ce que vous êtes, ce que vous dites et ce que vous faites à la fin. Il faut que ça se concrétise par quelque chose. Sinon, c'est trop conceptuel. Sinon, effectivement, les gens ont le droit de se révolter en disant « mais on ne comprend pas où vous voulez qu'on aille parce qu'à la fin, c'est que des discours. Ce n'est pas du réel. » Et nous, quand à la fin, on fait un truc qui fait 32 mètres par 23, là, pour le coup, ça se voit. C'est pas, alors, on n'est pas tous obligés de faire un truc de 32 mètres par 23, hein, ça joue, ou par 35 mètres de haut, évidemment et heureusement. Mais il faut qu'à un moment donné, ça passe à ce que ça concrétise et ça fasse quelque chose. Et après, effectivement, quand tu fais 49 jours, 3 heures, tu marques les esprits aussi. Tu passes sous 50 jours pour la première fois. Mais il faut accepter d'échouer pour arriver à ça. Justement, tu nous as dit que tu avais beaucoup échoué et tu as parlé de tes échecs et de ce que tu avais appris dans tes échecs. Ce projet, il est né après une victoire. Moi, j'ai deux questions et puis après, on passera la parole au public. Mais deux questions. La première, c'est... finalement, un projet comme ça, c'est quoi le cycle de vie d'un projet total entre le moment où ça commence et est-ce que quand tu es en train de faire tes 49 jours, 3 heures, tu es déjà en train de construire ton nouveau bateau et puis, combien de temps ça dure? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, tu navigues aujourd'hui sur des bateaux que Éric Tabarly avait imaginé il y a 30 ans, 20 ans, 30 ans. Ouais, c'est quoi la prochaine étape? Je pense que Eric, j'ai pas navigué très longtemps avec lui, j'ai dû naviguer 3-4 fois, notamment sur Aquitaine Innovation. Il aurait exulté de voir ça. C'était son hydroptère, quoi. Oui, l'hydroptère, ou même il avait pris un vieux Tornado qu'il avait essayé de faire voler aussi. Il savait que pour aller vite, il fallait s'extraire de la traînée hydrodynamique de l'eau. Quand elle est 100 fois plus dense que l'air, et ben forcément on comprend bien que moins on laisse de choses dans l'eau et plus on en met dans l'air et plus on va vite. Et c'est hyper vertueux tout de suite. Et donc oui, il aurait adoré ça. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, nous on est une génération bénie des dieux. C'est que de ces idées que d'autres ont imaginées, je prétends pas avoir été à l'initiative de ça, mais nous, pour le coup, on a la chance de le réaliser, de le faire et de le vivre, d'avoir la sensation de le vivre, ou d'avoir été jusque-là. Ça, c'est sûr que ça met aussi un peu de pression, parce que on sent aussi les héritiers d'idées qu'il faut mener à bien. Et sans me mettre trop cette pression, mais j'en assume qu'effectivement, je dois être un peu aussi digne de ça. Alors, il faut faire gaffe parce que là, on rentre très facilement et sur la petite pente glissante de la culpabilité à la suite. Mais ça, vous pouvez pas, vous l'avez jamais reconnu ni connu, donc c'est pas quelque chose qu'on peut continuer. Et par rapport au cycle, les cycles pour nous, c'est entre 4 et 5 ans. Ouais. C'est... Parce qu'une fois que tu as le bateau, il navigue combien de temps? Ce bateau, il part pour combien de temps avec toi? 2 ans, 3 ans, 5 ans, ouais, 5 ans, ans. Entre le moment où il commence à naviguer. Ouais, c'est...
Ça va tellement vite que ce sera. Ouais, nous, on pense qu'on est pour une fois, j'allais dire pour une fois, parce que dans ma vie d'athlète, ce qui est très compliqué dans notre vie d'athlète, notamment en sport mécanique comme celui-là, c'est d'être dans le bon timing technique, financier et humain et mental. Et que très souvent, j'étais en décalage soit avec l'un, soit avec l'autre, soit deux. Je l'ai expliqué. Mentalement, je n'ai pas toujours été prêt. Financièrement, quelquefois, on était très décalé par rapport à nous et on était plutôt suiveur. Et techniquement, et ben, du coup, les deux s'enchaînant. Et je pense que c'est la première fois, grâce à cette notion de temps que tu as évoquée, on s'est retrouvé effectivement dans un timing où nos échéances, là, c'est pour les trois prochaines années, les quatre prochaines années, on va faire 4 tours du monde et 14 transats. Si vous donnez le volume aussi, hein. Ça donne, c'est assez dense. Moi, je navigue environ 200 jours par an. Donc, c'est aussi beaucoup de temps et d'implication. Et on se projette jusqu'en 2023, où on organise avec Sodebo et les autres armateurs une course autour du monde en solitaire sur ces trimarans-là qui partira de Brest. Donc, c'est plus un record. Donc, un Vendée Globe, exactement. Mais sur Ultime. Voilà. Et où on est aujourd'hui 7 bateaux inscrits. Donc, on est aussi dans cette ère où on... Ça, c'est quand ? C'est en 2023. D'accord. Avant, juste l'année d'avant, il y aura la Route du Rhum en 2022. Et avant, on a une course qui part de Méditerranée en équipage, c'est ça ? Donc, on course aussi à 7 bateaux qui partent de Méditerranée. Course autour du monde, un peu la Volvo, mais en Ultime, à 7. 7 bateaux, 6 à bord. Et l'année prochaine, avec Sodebo, on voudrait aller chercher le... Parce que là, j'ai eu le Saint-Exupéry, qui est le tour du monde en solo. L'idée, ce serait d'aller chercher le Jules Verne en équipage pour l'offrir à Sodebo, d'avoir eu les deux records emblématiques autour de la planète. Alors, je suis désolé, j'ai une dernière question, mais la différence entre naviguer en solitaire et naviguer en équipage. Alors, ma question est absurde, parce qu'on se rend compte qu'il y en a où tout seul et l'autre... Mais c'est quoi... Comment t'appréhendes ces deux, c'est quoi les différentes difficultés ou les différentes ce que ça t'apporte? Au départ, je me prédestine pas du tout et je suis pas très attiré par le solitaire. Je suis plutôt attiré par le fait de naviguer avec beaucoup de gens différents, de rencontrer beaucoup de gens différents et je ferai le grand écart parce que entre Laurent Bourgnon et effectivement et Olivier de Kersauzon, c'est quasiment c'est générationnel là. Mais j'ai très longtemps navigué en Australie, Nouvelle-Zélande et j'ai beaucoup aimé ce monde anglo-saxon pour ça. Mais à un moment donné, c'est un petit peu comme ce que je disais par rapport à la musique et à la musique de chambre. C'est que quand vous êtes dans l'orchestre et pour autant, j'ai cette vraie même c'est pas un plaisir, c'est un bonheur. J'aime et je pense pas être un grand leader. Par contre, je sais que je suis très très compétent parce que j'aime servir un groupe et un leader. J'aime fondamentalement ça. Et donc, j'essaye de générer ça quand je suis leader après d'un projet comme le mien, que les gens trouvent ce plaisir d'avoir ce plaisir de servir un groupe et un leader. Donc, et qu'ils puissent exprimer ou ressentir le même plaisir que moi. Et j'avoue qu'après avoir navigué longtemps en équipage, cette gageure de se dire je vais essayer de remplacer tous les postes et de savoir si je suis capable de faire aussi bien que chacun ou d'être le moins mauvais pour finalement avoir cette capacité à avoir l'exercice mental, physique et technique global, c'est très grisant. Et après, par contre, quand vous libérez la première nuit sur un engin comme Sodebo, comme ça, sur un trimaran, et vous partez en solo et que vous touchez cette adrénaline ou cette émotion qui est une expérience sensorielle complètement unique, on n'est peut-être qu'une dizaine à l'avoir vécu, d'être tout seul sur un bateau comme ça, libre et complètement engagé et complètement entouré par l'élément, encore une fois, entre l'eau et l'air et d'être en pleine nature tout seul sur un engin comme ça, livré avec vous et vous, c'est un moment tellement grisant, tellement... Et c'est pas facile. Souvent, les gens croient que quand je pars en solitaire, je me sens seul. Je suis pas du tout seul. Je n'ai jamais souffert de solitude en mer.
Par contre, je me sens extrêmement seul d'exprimer cette émotion quand je rentre à terre. Je rencontre assez peu de gens et du coup, je vous invite à faire cet exercice-là. J'ai depuis quelques années, en m'étant rendu compte en prépa mentale avec Lynn Burney, la néo-zélandaise, que je souffrais de cette solitude, de ne pas savoir exprimer cette émotion particulière quand je revenais à terre, même avec ma famille, même avec mes enfants, mon épouse. Et j'ai cherché ce que j'ai appelé le cadre du cercle des gens qui m'inspirent, dont Jacques Gamblin fait partie. Donc voilà. D'où ça part, dont Michel Serres fait partie, dont ce quatuor Annecy dans la musique classique fait partie. Parce que finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas complètement seul à avoir ces émotions-là, mais que d'autres pouvaient les ressentir, mais dans un autre monde et dans un autre cadre. Et que là, pour sortir de cette solitude et dans cet enfermement, où j'avais besoin de... Et les conversations que j'ai cette chance d'avoir des conversations avec Michel Serres, lui, le philosophe, il se sent très seul quand il essaye d'exprimer aussi. Alors, il le fait avec un livre, il le fait, mais quand il est devant sa feuille blanche d'écrire le livre et qu'il faut qu'il exprime ses idées sur le monde ou sur la petite poussette ou son dernier livre, là, qui vient de sortir. Excusez-moi, le titre vient de m'échapper. Bon, ça va me revenir. Et je me retrouve effectivement avec des conversations. Ça m'a fait du bien pour sortir de cet enfermement, d'être seul quand je rentrais à terre, d'avoir été en solitaire. Je ne sais pas si j'étais très clair. Très clair. On va prendre deux questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Il y a plein de questions. C'est le titre c'est Morale espiègle. Je vous incite, c'est un petit livre qui fait 60 pages. D'ailleurs, j'ai dit à Michel, là, t'exagères. On attend ton bouquin depuis 3 ans et tu nous sors que 60 pages, mais exceptionnel. Morale expiègle. Bonjour, Constance Viblet-Wicker. Merci beaucoup, 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 c'était passionnant. Moi, j'ai une question. On entend beaucoup en ce moment parler de pollution des océans, etc. Donc, à cette vitesse-là, on peut croiser des cargos, on peut croiser aussi des containers. Qu'est-ce que vous voyez, vous, et qu'est-ce que vous avez vu évoluer sur l'océan ? Alors, je voudrais être très clair. Moi, je ne suis pas un scientifique et je ne suis pas un climatologue. Je suis juste un observateur. Ce qui est important, et je pense qu'on a fait depuis 20 ans un travail pour les climato-sceptiques, de parler trop, tous, un peu comme les Français qui ont tous un avis sur le sélectionneur de l'équipe de France, ou qui, quand ils parlent de foot, ne peuvent pas s'empêcher de dire s'ils auraient fait en 4-3-3 ou en 3-4-4 ou je ne sais pas quoi. Donc moi, je voudrais juste vous donner mon... pour ne pas donner de jugement et pas polluer le débat, je suis passé 11 fois devant le Cap Horn. Donc j'ai tourné 11 fois autour de l'Antarctique en 20 ans, 22 ans. Donc ça fait une année sur deux. Et ce que je peux vous dire, c'est que le plastique, vous l'avez dit, à la vitesse à laquelle je vais, je ne peux pas le voir. L'océan de plastique, je ne l'ai pas vu. Par contre, ce qui est certain et clair, c'est que les glaces de l'Antarctique remonte beaucoup plus nord en 22 ans que jamais ce que j'aurais pu imaginer depuis que j'ai commencé. C'est-à-dire que la banquise et l'Antarctique est en train de se disloquer. Et moi, je me suis retrouvé face à des icebergs qui faisaient entre 10 et 15 km. C'est-à-dire des énormes morceaux de glace qui se décrochaient, qui sont décrochés de l'Antarctique et qui après se disloquent et font des grôleurs et qui sont très dangereux pour nous. Mais qui sont remontés à des latitudes extrêmement nord, et c'est en train, la débâcle a commencé. Ça, c'est mon observation. Encore une fois, ça, c'est pas une vue de l'esprit ou un commentaire que je pourrais avoir qui serait déjà un peu idéologiquement ou politiquement ou orienté. C'est mon observation. Je ne sais pas après, et je ne veux pas, j'ai ma conviction moi, dire d'où ça vient. Les raisons, d'où la cause et tout ça. Par contre, clairement,
là-dessus. Les glaces sont beaucoup plus présentes en Antarctique et de façon assez... Enfin, normalement, en 22 ans, ce n'est pas perceptible par l'homme. Or là, c'est extrêmement rapide et c'est à des latitudes jamais imaginables. Avant de voir une glace, on était par le 60e parallèle sud. Là, on en rencontre par le 45e, ce qui est colossal. C'est comme si vous imaginiez que... Vous savez à quelle latitude on est ici, là ? Aux alentours de 47. Ça voudrait dire qu'à l'échelle de l'Antarctique, dans l'hémisphère sud, si des morceaux de glace se décrochaient, il pourrait y en avoir un qui se bloque ici à Deauville. C'est ça que ça veut dire à l'échelle de la planète. Donc oui, moi, je l'observe. On ne peut plus le nier. Alors, avec Sodebo, je ne peux pas vous mentir non plus. Construire un trimaran comme on a fait là, ce n'est pas toujours non plus éco-responsable. Par contre, on a aujourd'hui, sur ce nouveau bateau, on a changé de philosophie. On s'est posé pour chaque pièce la question de comment on pouvait le faire pour être effectivement plus responsable par rapport à ça. Par exemple, tous nos moules sont réutilisés ou sont faits dans une matière où on est capable de réutiliser les moules qu'on a faits pour la suite. On a étudié et on a fait sur notre trimaran, et la technologie nous l'offre aujourd'hui, 50% de plus de pièces en imprimante 3D, et on a été jusqu'à faire de l'imprimante 3D titane. En fait, quand vous fraisez du titane, c'est un petit peu technique, vous allez vite comprendre quand même, c'est que si je veux faire un verre comme ça en titane, en métal, et que je le fais avec la technologie qui jusqu'à présent a été étudiée, c'est-à-dire je fraise l'intérieur et l'extérieur, et j'en fais, mais vous allez vous rendre compte que je vais enlever quasiment 80% de matière. Et ben soit en électro-érosion, soit en imprimante 3D, je vais utiliser que la matière qui est utile autour du verre. Ce qui nous a fait gagner environ 80% de matière de déchets. Donc là, c'est encore une fois, on est dans cette époque formidable où la technologie va devenir quelque chose qui va nous permettre d'être non seulement vertueux pour aller plus vite, plus loin, et enfin, l'écologie ne va plus être une contrainte, c'est ce qu'on nous a présenté, et c'est ça qui a fait qu'on n'a pas réussi à monter dans le train assez vite et assez tôt, mais ça va devenir une opportunité incroyable qui peut nous aider à, effectivement, nous aider à soit pas forcément inverser une tendance, mais au moins la stabiliser. Mais oui, pour répondre à votre question, je suis super inquiet de l'état de la planète. Et l'océan est sans doute l'issue, madame, sans doute que vous êtes la meilleure ambassadrice, bien mieux que moi, mais c'est sans doute l'issue à cette angoisse qu'on a tous là, de comment ça va finir et par quoi il faut démarrer. L'océan est sans doute le régulateur ou le climatiseur de la planète sur lequel on a le plus intérêt à s'associer pour sauver l'histoire. Dernière question. Bonjour, Thierry Delahaye, My Connecting. Merci de nous faire vivre ce que vous êtes en train de nous faire vivre. J'ai deux questions. La première, c'est en tant que chef d'entreprise, quel conseil donneriez-vous à ces chefs d'entreprise qui voudraient inscrire la marque de leur entreprise à un projet de navigation avec des moyens qui ne sont pas ceux de Sodebo? Et ma seconde question, c'est comment est-ce que vous gérez, vous valorisez le doute quand vous êtes dans une épreuve? Waouh. Alors pour la première, j'ai plein de petits jeunes en voile qui peuvent être des super supports. Non, je pense que valoriser une entreprise aujourd'hui, plus ça va aller, plus le fake et le bullshit seront reconnus et détectés comme le nez au milieu du visage. Et plus vous serez vrai, authentique et engagé, et plus finalement ce que vous aurez à passer ou à véhiculer sera à la fois facile mais reconnu. Moi, je représente une entreprise, mais c'est parce qu'ils vivent comme ça qu'aujourd'hui, leurs produits, leurs démarches, leur notoriété, elles passent parce que les gens, que ce soit leurs clients ou les gens qui consomment ou les gens qui finalement se retrouvent dans leur rayonnement,
se reconnaissent dans le fait que les valeurs qu'ils ont, elles sont vraies, et ils les vivent comme ça, et ils s'en rendent compte que ce n'est pas du fake. Et ça, pour moi, c'est vraiment, si vous éliminez tout ce qui est un petit peu tendancieux, faux, machin, des valeurs de votre boîte, et qu'après, ce sera assez facile de les mettre en valeur. Enfin, je pense. Après, il faut trouver un ambassadeur qui adhère à ça et qui est prêt. Je suis rentré dans cette boîte et j'en suis dingue. Hein. Vous avez compris, ça a dépassé le cadre seulement sportif où et je m'y sens bien. Quoi. Je me sens comme eux et c'est une discussion. Sur le doute, je n'ai pas de recette miracle. Je serais un menteur ou je serais un mytho que de vous dire que je doute pas ou je doute plus ou que le doute, quand vous êtes sur un bateau comme ça ou même quand vous vous lancez dans... Quand je me suis lancé à construire ce bateau, là, je suis allé voir les trois sœurs et je leur ai proposé un bateau classique et un bateau et ce bateau. Et elles ont tout de suite dit non mais c'est ça qu'on veut. Donc c'était. Et après j'arrêtais pas de rétro-pédaler en disant ouais mais c'est beaucoup plus risqué. Oui mais on ne sait pas. Et plus je leur disais ça, plus ça les convainquait qu'ils voulaient faire ça. Donc c'est pas trois sœurs et trois femmes pour rien. Hein, c'est pas toujours facile hein, d'avoir trois femmes comme patronne, hein, mais finalement ça booste beaucoup plus. Ça j'en suis certain. C'est une chance. Hein, mais c'est finalement quand vous doutez, et ça va avec cet exercice que vraiment essayer de construire ça, parce que c'est concret ça aussi. Ce cercle des gens qui vous inspirent. Dans les gens qui m'inspirent, il y a un mec qui s'appelle Romain Dumas. C'est le seul pilote français à avoir gagné deux fois les 24 heures du Mans. Et quelques semaines après avoir commencé cette conception de ce nouveau bateau, il m'explique comment, avec Porsche, ils avaient bougé le moteur de Porsche de 7 cm vers le centre de gravité du bateau. Et que lui, ça avait déplacé son siège de pilote de 3 degrés. C'est-à-dire que d'un côté à l'autre, il n'avait plus la parallaxe de 3 degrés. Mais dans un virage, quand vous rentrez à 350 km/h, ben les 3 degrés de parallaxe, il faut quand même s'y adapter. Sauf que je me suis fait le parallèle avec moi de me faire la gageure de mettre le cockpit à l'avant, que ça allait être différent pour moi. Et quand dans le cercle des gens qui vous inspirent, vous recoupez des choses qui finalement se ressemblent et qui peuvent venir de plein de choses différentes, cette intuition de l'entrepreneur ou cette intuition du chef d'entreprise, c'est là qu'elle est forte. C'est là qu'il faut reconnaître que vous tenez quelque chose. Vous ne savez pas encore très bien quoi. Et c'est là que ça vous oblige, vous, entrepreneur, d'avoir cette capacité ou ce recul de ne pas être monomaniaque que dans votre domaine, mais d'aller chercher justement, je pense, dans un cercle des gens qui vous inspirent pour trouver ces résonances où, à un moment donné, que ça soit dans la musique de chambre, que ça soit avec Michel Serres, avec Jacques Gamblin, avec Romain Dumas ou avec Tony Estanguet ou des gens comme ça, c'est eux qui, finalement, dans les conversations que vous allez avoir, vont vous faire que vous allez recouper des choses qui, à un moment, vous allez sentir que vous tenez quelque chose. Vous tenez dans votre produit, dans ce que vous faites dans le bateau, la chose qui, de façon intuitive, fera que c'est ça qui marche. Ce n'est pas écrit dans une revue, ce n'est pas écrit dans un bouquin, ou ce n'est pas en sup ou en spé que vous allez apprendre ça. C'est juste, effectivement, de... Alors, c'est difficilement peut-être explicable à un actionnariat. Mais c'est là où vous ferez partie d'une entreprise. Et l'indépendance, finalement, ou la liberté des entreprises familiales que je représente, c'est là où elle est forte. C'est qu'elle est capable de dire, ça on croit, on le sent. Et toutes ces grandes entreprises qui finalement font des Apple ou des machins et des trucs, elles partent de ça. Quand j'étais ingé, j'ai un copain qui était avec moi et qui était complètement obsédé par l'informatique. Il avait vraiment le look de l'informaticien. Et il l'a gardé. Donc on avait tous les deux 20 ans ou 25 ans à l'époque là. Et il me dit, en France, j'y arrive pas et tout. Et il part à San Francisco et il tombe dans une boîte dingue et où il y avait comme lui, venant d'un peu partout,
100 mecs à San Francisco qui croyaient qu'on allait pouvoir relier les gens les uns aux autres et qu'on allait faire une grande bibliothèque. Et cette entreprise, ils l'ont appelée, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, Google, voilà, c'est ça, Google. Et Anselme, aujourd'hui, mon pote là, il est directeur de Google France. Mais au départ, ça part quasiment d'une intuition, cette histoire de Google. Et moi, je l'ai vécu parce qu'Anselme, il m'a fait vivre. Et ils ne sont pas dans une idée d'avoir... Et au départ, forcément que le doute est d'accepter de ne pas savoir. Mais si vous êtes athlète, si vous n'acceptez pas de perdre, vous ne gagnerez jamais. Si vous n'acceptez pas de rentrer dans la zone du doute et sortir de la zone de confort, vous ne passerez jamais le step. Là, de barrer un bateau de cette taille-là en ayant accepté de ne pas être derrière la grand voile, mais devant, c'est un step énorme. Ce n'est pas 3 degrés de Romain Dumas. Enfin, je lui ai dit ça plusieurs fois. Je dis finalement, t'es petit joueur, toi, 3 degrés. Qu'est-ce que tu m'embrouilles avec 3 degrés dans le virage? Sauf qu'il m'a emmené 3 degrés dans le virage. Vous avez un pantalon marron. Hein. Merci beaucoup sur cette. Merci Thomas. Merci à toi. On a encore une journée, une matinée très chargée. Un grand merci et n'hésitez pas, tu restes pour le déjeuner. Donc à venir poser vos questions à Thomas.